Après les blessés de l'ouragan Matthew qu'il pouvait déjà à peine accueillir, l'hôpital de Port-Rapiment dans le sud du pays doit désormais faire face à une arrivée massive de malades, ceux du choléra. Et pour eux, plus de place en intérieur, les soins se font dehors, sur des planches de bois transformées en lits. Ici, l'urgence est la réhydratation et tout manque. On a besoin de sérum, de pastilles pour traiter l'eau, pour pouvoir sauver ces personnes. Ils sont désespérés. Des pastilles d'eau pour soigner et de l'eau tout court pour prévenir. Mais là encore, il n'y en a pas. Nous n'avons pas vu d'eau depuis longtemps. On a besoin d'en trouver pour essayer de faire baisser le nombre de cas. La situation sanitaire en Haïti est très préoccupante. Le pays doit faire face depuis le séisme de 2010 à une épidémie de choléra, épidémie apportée par des casques bleus de l'ONU. Depuis, rien ne s'est arrangé et le passage de Matthew n'aide pas. J'ai 5 personnes ici et pas un centime pour acheter des médicaments. Ils ont de la fièvre et je ne peux même pas aller à l'hôpital prendre du sérum. En 6 ans, le choléra a fait 10 000 morts sur cette île des Caraïbes.